Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire en direct cette semaine. Je suis très content de vous retrouver après une semaine assez spéciale. En fait, la semaine passée, je n'ai pas pu être avec vous parce que j'avais plus de voix, tout simplement. Donc, mais cette semaine, on se reprend et on se reprend d'une belle façon parce que j'ai un sujet que je sais que vous allez adorer. En fait, c'est un sujet que vous-même m'avez demandé. Parce que normalement. Euh, lorsque j'enseigne le violon, je, je dis toujours aux violonistes de prendre un petit peu de temps avant d'apprendre avant le vibrato. Le sujet d'aujourd'hui, c'est ça, le vibrato. Euh, normalement, je prends un peu de temps, surtout pour les violonistes débutants. Pourquoi? Parce que jouer du vibrato, ça demande une technique qui est précise et ça demande surtout d'avoir une main gauche qui est solide. On veut euh, s'assurer, quand on fait du vibrato, que notre main gauche est déjà... Euh, vous êtes certain qu'à chaque fois que vous placez un doigt, ben il est toujours sur le collant, euh, sur le collant, ou en tout cas à l'endroit où -ce il devrait jouer. Donc peu importe que vous euh, que vous regardiez ou non, il faut que vos doigts soient toujours à la bonne place. Pourquoi Parce que justement le vibrato, ben ça vient faire vibrer notre main justement. Et quand ça fait vibrer la main, ben à ce moment-là il y a un risque de se déplacer. Et puis à ce moment-là, c'est ça. Donc on veut avoir une main qui est solide et euh, une oreille qui est bien développée pour s'assurer justement de garder notre justesse. En fait, que normalement, c'est souvent pas dans la première année que je vais enseigner euh, à mes élèves euh, le, le vibrato. Ça va être souvent, euh, ça va souvent être soit dans la deuxième année ou troisième année, peu importe. En fait, ce que je fais souvent avec mes élèves, c'est que je fais un pari avec eux. À partir du moment où ce que je les vois, ils ne regardent plus leurs collants et leurs doigts sont tout le temps aux bons endroits, à partir de ce moment-là, c'est là où ce que je leur dis OK, aujourd'hui, on enlève les collants et puis on commence à faire du vibrato. Donc, voilà, c'est un petit avertissement que je vous fais aussi parce que je sais, c'est à peu près une des choses qu'on aime le plus entendre au violon. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous avez commencé à jouer du violon ou que vous voulez commencer à jouer du violon. Donc, petit avertissement de ce côté-là, n'allez pas trop vite. Et si vous, à ce moment-là, vous voulez le travailler, le vibrato, parce que vous aimez tellement ça, faites-le peut-être en parallèle du travail que vous faites et puis vous allez l'intégrer graduellement. Donc, petit avertissement en début euh, de séminaire. Maintenant, commençons avec le contenu. Mais euh, oui, avant ça, en début de séminaire, tout le temps, je dis tout le temps aux gens euh, de partager s'il vous plaît. Euh, partager, s'abonner, euh, euh, essayer de propager dans le fond le, le, le webinaire en direct qu'on fait chez Mildor-Violon. Vous savez jamais qui dans votre entourage pourrait vouloir euh, voir ce, ce, cette petite, cette petite capsule-là. Donc à ce moment-là, euh, de un, ça nous donne un... un un coup de pouce de notre côté, puis en même temps, bien, ça permet à d'autres personnes de pouvoir bénéficier du même contenu. Donc, c'est le temps de partager, aimer, aimer notre page, euh, essayer de, de prendre ce petit deux secondes-là qui, pour vous, n'est pas très long, mais pour nous, qui fait une grosse différence, et aussi pour la communauté au complet. J'en profite pour dire bonjour à Extinct Axe 49560, euh, avec euh, à dire bonjour aussi à Marc Boutet. Je ne suis pas encore arrivé au vibrato, mais ce cours m'informera l'avenir alors merci. C'est ce qu'on ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Bonjour Marc, d'ailleurs, euh, c'est toujours un plaisir de te revoir semaine après semaine. Euh, et Donc, c'est ça. Commençons avec le vif du sujet, le principe euh, du vibrato. Mais qu'est-ce que c'est, premièrement, le vibrato? On sait comment ça sonne, mais décortiquons-la un, un tout petit peu pour faire en sorte qu'on sache comment après ça l'exécuter. Le vibrato, dans le fond, c'est que on va partir d'une note. Et on va aller en dessous de cette note-là et on va remonter. On descend, on remonte, on descend, on remonte. Bonjour à Laura que je viens juste de voir entrer. Donc, ça va faire exemple. Et puis à ce moment-là, quand on le fait vite, bien, ça donne du vibrato. Donc, c'est un peu euh, ça le principe. Bon, vous allez me dire, oui, OK, on le sait, c'est de base. C'est de base, mais ce que ça vient nous renseigner, si vous l'analysez bien, c'est que quand je fais. Deux notes, peu importe si je commence du bas ou du haut, puis je fais ou je commence du bas, quelle est la note que vous reconnaissez, la note que vous retenez dans votre tête Vous retenez, oui, qu'il y a une vibration, mais il y a une note qui ressort plus que les autres et c'est souvent, en fait, c'est pas souvent, c'est tout le temps la note du haut. Donc si je parle d'une autre note, n'importe laquelle, vous voyez que c'est la note du haut qu'on entend plus. C'est elle qu'on va se souvenir ou en tout cas que notre oreille va détecter comme étant la note qui vibre. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que quand on fait du vibrato, si on veut que ce soit le vibrato pour cette note-là précisément, bien on va vouloir aller vibrer en dessous de la note et non pas au-dessus de la note. Parce que si on vibre au-dessus de la note, ça va être la note du dessus qu'on va entendre. Donc, ça, c'est un, un petit détail. Je vois ici, Marc, je pensais que le vibrato prolongeait la note. Prolonge. Euh, je ne suis pas certain de, de comprendre qu ce que tu me dis, Marc, que, que le vibrato prolongeait la note. Euh, ça ne change pas la durée en tant que telle. Donc, euh, vous pouvez faire un vibrato euh, euh, qui est long ou qui est court. Euh, euh, peu importe. L'important, c'est dans le fond, c'est la vibration, justement. Donc, ça. Donc que, que, comme je vous disais, quand vous faites un vibrato, c'est toujours... Euh, quand vous voulez avoir cette note-là, c'est toujours d'aller en dessous. Donc, ça, ce que ça vient nous dire pour le violon, c'est qu'on va vouloir vibrer avec notre violon. Euh, donc, on va avoir notre note et ce qu'on va vouloir faire, c'est faire en sorte que notre doigt aille en dessous, donc aller vers la volute, puis après ça, revenir à la position. Donc, ça va toujours être ce, ce, ce va-et-vient-là entre la note et en dessous de la note, si vous voulez. Donc, ça, c'est déjà une première chose à savoir. Euh, entend... C'est ça. Après ça, une deux, deuxième chose qu'il faut savoir, c'est comme je disais tantôt on veut s'assurer que notre main est toujours à la bonne place, que notre doigt est précis à l'emplacement où ce qu'il devrait être. Donc, premièrement, si vous ne l'avez pas déjà fait sur votre violon, je vous rappelle que vous pouvez aller sur, attention, je vais faire ça rentrer, voilà, sur mildorviolon.com, et vous rajoutez barre oblique justesse. Puis ce qu'on va faire, c'est on va vous donner une forme, en fait, on, on fait le calcul pour vous. Vous calculez euh, sur votre violon entre... Le sillet et le chevalet. Donc, vous trouvez la longueur. Et nous, on vous donne, à partir de cette longueur-là, quatre emplacements où, que, où vous allez placer, dans le fond, vos quatre collants. Il va y avoir quatre collants sur votre violon. Et ces quatre collants-là vont être des emplacements précis pour pouvoir jouer. Donc, ça, ça va vous aider avec votre justesse. Il fait en, en ce moment, <laughs> je vous le dis, incroyablement chaud ici, avec en plus l'éclairage que j'ai pour, euh, pour faire les lives. C'est incroyable. Euh, donc, c'est ça, il va y avoir quatre collants, ça va vous permettre d'améliorer votre justesse. Donc, euh, à partir de la note que vous exécutez sur votre violon, peu importe quelle note vous voulez vibrer, ça va être toujours une question de venir, euh, donc basculer, on le dit, la note vers, si vous voulez, la volute et revenir. Donc, ça va toujours être un mouvement comme ça ici. Maintenant, euh, il faut toujours penser, là, il y a une coupe de, de petites choses. Comme euh, il y a deux semaines, quand on a fait la technique de la main gauche, on a vu. On veut avoir une main qui est bien droite. Et ce que j'avais donné comme petit détail euh, à ajouter, c'était de tourner la main vers notre manche. Et quand on tourne la main comme ça vers le manche, ça fait en sorte que nos doigts ne vont pas, si vous voulez, avancer vers nous comme ça ici, mais bien, mais bien aller sur le côté et donc venir euh, par le côté. Vous voyez, ça donne un trou, si vous voulez, entre euh, j'essaie de bien le voir, voilà comme ça. Il y a un trou entre euh, la main et le doigt, si vous voulez. Alors que si j'avais laissé la main comme ça ici, les doigts auraient été à plat pour avancer vers nous. On ne veut pas que les doigts soient à plat et on l'a vu il y a deux semaines parce que quand les doigts sont à plat vers nous, ça fait en sorte qu'on ne pourra plus faire d'autres techniques, comme par exemple euh, jouer en double corde éventuellement. Parce que justement, quand on a un doigt qui est à plat, bien, il vient s'écraser, si vous voulez, sur les cordes. Donc, euh, l'idée là-dedans, c'est toujours avoir une main vraiment sur le côté et qui est tournée vers le manche. Et puis, à partir de ce moment-là, quand on va faire notre vibrato, notre doigt ne va pas vibrer, si vous voulez, euh, vers nous et après ça s'aplatir vers en arrière. Ce n'est pas un aplatissement du doigt ça va être d'aller sur le côté et agir un peu comme une chaise berçante si vous voulez. Donc et l'image de la chaise berçante est intéressante parce que on va avoir un doigt qui est à un emplacement précis et puis à partir de ce moment-là, la chaise berçante, là, vous le savez, elle ne bouge pas en tant que telle. Elle va aller vers l'arrière, revenir à son emplacement, vers l'arrière, revenir à son emplacement, mais elle est toujours à une place précise. C'est un peu de même qu'il faut penser notre doigt. Notre doigt va venir faire ce balancement-là vers la volute et revenir, mais toujours d'une manière où est-ce que, si, si vous voulez... Vous voyez, votre doigt est comme une espèce de petite courbe ici. Et puis à ce moment-là, voyez-le un peu comme une chaise berçante, justement, qui va aller comme ça. C'est important d'avoir les ongles courts aussi, parce que si on a les ongles longs, bien, ça oblige encore une fois notre doigt à venir s'aplatir, chose qu'on a dit qu'on ne veut pas avoir. Donc, euh, le principe de la chaise berçante, on ne, on ne déplace pas le doigt, on ne fait que le basculer. Alors, ça, c'est une autre chose importante. Après ça... J'ai trouvé, ça donne. Euh, Aujourd'hui, c'est la fête de ma petite fille, euh, Alice. Et puis, ça a donné cette semaine. J'ai de penser à comment je pourrais vous démontrer le plus efficacement possible le vibrato. Puis, je me suis rappelé que j'avais une espèce de petit maracas, quand j'ai a euh, une coupe d'années, qui, qui m'aidait à, à montrer euh, le vibrato. Et puis, finalement, j'y ai, ai pensé. J'ai dit Ah oh oui, mon Dieu, elle a ce petit jouet-là. Bon, c'est un tout petit jouet comme ça ici. C'est comme un œuf, si vous voulez qui permet justement de... bon, de... de comme un, un hochet, si vous voulez. Et... <coughs> essayez de... de Vous n'aurez pas nécessairement quelque chose comme ça à la maison, mais essayez de vous mettre un peu dans la, dans, dans la peau. Je vous donne, je vous dis ça. Vous, vous avez le pouce et, admettons, le, votre, votre annulaire ici. Et entre ces deux doigts-là, je vous dis... Ok. Vous tenez comme si vous teniez votre violon. On va mettre ici l'œuf entre le pouce et l'annulaire. Donc imaginez que c'est un, un œuf standard, ce n'est pas un, un jouet en plastique, mais un œuf standard. Il ne faut pas à ce moment-là mettre trop de pression parce qu'on risque à ce moment-là de briser l'œuf. Okay? Donc c'est à peine de la pression pour dire qu'on retient l'œuf en tant que tel. Et si je vous disais, à partir de cette position-là, mettez-vous dans, dans, dans la peau un peu. OK, fais-moi comme un maracas, brasse l'œuf de manière à ce que ça fasse une vibration, qu'on l'entende vibrer, qu'on entende le tchik tchik tchik. Parfait. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que vous feriez par défaut Vous feriez ça comme ça ici. Donc, qu'est-ce que ça. Analysons un peu ce que je viens de faire. Parce qu'il y a différents professeurs qui vont dire, OK, qu'on va faire un vibrato avec le doigt. C'est le doigt qui bascule. Ce n'est pas le cas. <laughs> Pensez-y. Si je veux faire le son, est-ce que c'est mon doigt que je vais venir reculer et avancer? Non, ce n'est pas naturel. Est-ce que ça serait le poignet à ce moment-là qui viendrait bouger? Essayons-le. Ou mettez-vous en tout cas dans, dans, dans la peau de, de le faire. Ça fonctionne. Est-ce qu'on peut aller aussi vite? On peut aller vite. Est-ce que ça fonctionne aussi bien que si c'est tout votre avant-bras qui va bouger, si vous voulez, en un seul bloc? Bien, on voit que c'est beaucoup plus naturel comme mouvement. Donc, le, quand on va faire du vibrato, justement, c'est qu'on va prendre euh, un mouvement qui est dans tout l'avant-bras au complet. Et non seulement le doigt qui va bouger ou le poignet qui va reculer. C'est vraiment tout l'avant-bras au complet qui, ensemble, va bouger. N'inquiétez-vous pas, je vais vous faire une démonstration. Mais je voulais que vous compreniez... Bonne fête, Alice! Merci beaucoup, Marc! <laughs> euh, c'est Saint-Victor... C'est la Saint-Victor pour info. C'est la Saint-Victor. La Saint-Victor, c'est pas quelque chose qu'on fait ici, ou en tout cas que je connais. Qu'est-ce que c'est la Saint-Victor? Peut-être tu peux me, me, me dire ça, euh, Marc. Euh, voilà, bon, je, je continue à regarder. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent sur euh, YouTube. Je n'ai pas revu encore de commentaires sur Facebook. Ça serait le fun que les gens sur Facebook ou sur Twitch nous écrivent juste pour s'assurer que ça fonctionne bien. Parce est à, euh, et aussi sur mildorviolon.com, je sais qu'il y en a qui utilisent la plateforme. Ah ben, mildorviolon, oui, c'est vrai, il y avait Extinct, Axe. Qui nous avait écrit. C'est drôle hein, les noms qu'ils nous donnent euh, par défaut euh, sur, euh, sur euh, la plateforme de Mildor Violon. En fait, ça utilise Mixer, c'est Mixer qui nous donne ça, peu importe. Euh, donc, vous voyez un peu le principe général. Ça va être tout notre avant-bras. Ça va être. Euh, je, euh, notre doigt va venir être sur le côté, comme ça ici. Donc, notre main est sur le côté. Et à ce moment-là, notre doigt va venir basculer vers l'arrière. Euh, et après ça, c'est ça. C'est un mouvement qu'on va vouloir spasmique. Donc, à la maison, si vous êtes capable d'aller vous trouver un petit, euh, un petit chose comme ça, puis de travailler ça comme ça, peu importe quelle doigt, mettons, c'est mon pouce et mon index, et puis vous allez faire ce mouvement-là, ça, euh, ça va vous faire travailler un peu comment vous devriez vous sentir. Dans le fond, c'est qu'en arrière de, de notre bras, c'est comme si on sentait que c'est de là que part le mouvement. Donc, vous allez faire votre mouvement comme ça. Peu importe si c'est deuxième doigt, vous avez un mouvement comme ça. Voilà, troisième doigt, on le laisse encore. C'est un peu la même chose. Donc, ça, ce petit item-là peut vous aider justement à aller chercher un vibrato qui est naturel. Euh, sinon, vous n'avez pas besoin en tant que tel. Mettez-vous tout simplement, faites comme si. Et puis, euh, ça devrait bien fonctionner. L'idée, c'est juste de comprendre que le mouvement, c'est un mouvement qui est spasmique qui n'est pas trop large aussi c'est pas des c'est pas un gros mouvement c'est vraiment très concentré comme mouvement et puis ça peut être un peu plus large aussi mais c'est vraiment quand même au maximum on se déplace de ça ici là c'est pas c'est pas des gros gros mouvements en tant que tel et puis à ce moment là de comprendre comment bien se positionner avec notre doigt pour qu'il bascule vers l'arrière à partir de ce moment-là, les choses, ça va être de l'exploration que vous allez faire à la maison pour, dans le fond, trouver votre confort. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, petit détail important. Quand vous faites du vibrato au violon, une autre chose que vous pouvez même vérifier, essayez de bouger votre main si vous avez les quatre doigts placés sur votre violon. Vous allez vous rendre compte que ça fonctionne très, très mal. Nos doigts viennent en quelque sorte se stabiliser. Si vous, si vous n'avez que le pouce et le doigt avec lequel vous allez faire le vibrato, à ce moment-là, ça va bien fonctionner. Je vous montre un peu la différence entre les deux. Mettons que je place mon troisième doigt. Si j'ai mon premier, deuxième et troisième doigt, je vais avoir de la difficulté à faire mon vibrato. Moi, je le sens. Peut-être que vous, vous avez entendu un vibrato, mais écoutez la différence qu'il y a. Je ne sais pas si vous allez bien l'entendre, mais quand même, ça devrait... Avec, quand j'enlève les deux autres doigts, c'est beaucoup plus libre comme ça. Est-ce que vous avez entendu une différence ici? Donc, pour ne pas venir bloquer le mouvement en tant que tel, au violon, quand on va faire du vibrato, on va enlever le premier et le deuxième. Ben, en fait, on va enlever les doigts qui sont en dessous et au-dessus de la note qu'on va euh, exécuter. Donc, cet exemple, je, fais un, je faisais là, ici, un ré sur la corde de la, donc troisième doigt. Un et deux sont dans les airs, quatre aussi. Maintenant, ça, ça vient créer justement une autre raison pour laquelle je dis aux gens de souvent commencer le vibrato un peu plus tard. Parce que <coughs> vous vous en souvenez la semaine passée quand on a parlé de la main gauche. On se disait, c'est important d'avoir tous les doigts placés sur l'instrument jusqu'au doigt qu'on va jouer. Donc, exemple, là, dans ce cas-ci, on faisait un ré, troisième doigt. Donc, on voudrait avoir un, deux et troisième doigt de bien positionner sur notre instrument. Alors que là, en vibrato, on veut avoir l'inverse. On veut avoir un et deux dans les airs, quatre aussi, évidemment, puis notre troisième doigt qui joue seul. Ce que ça vient faire, ça vient faire en sorte qu'on n'aura pas un et deux, ces points de repère-là, qui vont venir nous aider avec notre justesse. Donc, il faut être encore plus solide pour avoir la confiance que lorsque je place mon doigt, je n'ai pas besoin de point de repère, je sais exactement où placer mon premier ou mon deuxième doigt. C'est une des raisons pour lesquelles j'attends souvent avec mes élèves avant de commencer à faire du vibrato. Une autre raison. Euh, bref, il faut penser à ça. Seulement notre pouce qui va avoir un petit contact. Un énorme contact, un tout petit contact, juste pour dire qu'on a un point de contact et non pas de la pression. Parce que vous vous en souvenez, comme je dis à chaque webinaire, quand vous sentez une tension dans votre corps, c'est que vous ne faites pas vous faites quelque chose de pas correct. Donc, <laughs> ça a bien sonné ça comme, comme phrase, mais bon, c'est ça. Euh, oh, euh, ma femme que je vois ici qui est là. Qui dit allô, Mu euh, Mu, euh, oui, euh, elle m'appelle Mu. Voilà, c'est comme ça. <laughs> euh, donc, salut, Kate. Je suis bien content que tu sois avec nous autres. Aujourd'hui, euh, Marc, c'est pour dire que nous n'avons pas les mêmes fêtes. Effectivement, on, nous n'avons donc pas les mêmes fêtes. Oui, on n'a pas les, les mêmes fêtes. La Saint-Victor, pour nous, c'est pas quelque chose qu'on qu fête. Est-ce que c'est gros euh, de votre côté, Marc Je suis curieux de savoir ça. J'aime ça, euh, regarder les différences, dans le fond, en, entre, entre au Québec et en France. Je trouve ça toujours euh, fascinant. Euh, voilà, voilà, voilà. As-tu eu des élèves qui n'ont jamais réussi le vibrato? Marc, excellente question. On dirait que ça nous fait peur, le vibrato. Je ne sais pas si toi, c'est une question de, de crainte, mais je sais que pour beaucoup de personnes, le vibrato, c'est oh mon dieu, j'espère le réussir. Et on a un petit élément de, de tension. Je te réponds, André, en, dis, en disant... Tous mes élèves ont réussi à faire du vibrato. C'est une question de temps. Certains l'ont eu en l'espace d'une semaine. Certains autres vont l'avoir en l'espace de 4, 5, 6 mois. Parce que, par exemple, leur vibrato va toujours être trop petit ou euh, ils vont, leur doigt va se déplacer un tout petit peu, leur main va se déplacer un peu, ils vont avoir de la, de la misère avec la justesse. Mais <coughs> les principes, vous les savez. Vous les pratiquez à la maison. Et ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est pas une question de est-ce qu'il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Il y en a qui le font mieux que d'autres, c'est normal. <coughs> Excusez-moi. C'est normal. Pour n'importe qui, évidemment, euh, il y a des choses qui sont plus naturelles que d'autres. Mais à date, je n'ai jamais vu un élève qui n'a pas réussi à faire du vibrato. Faites-vous confiance, c'est une des choses les plus importantes. Surtout pour un instrument comme le violon qui est si sensible à tous ces. Euh, à tous ces. ces euh, comment je pourrais dire Comment on se re, on ressent, on ressent dans Comment notre, notre langage non-verbal va venir euh, euh, bon, s'exacerber, se, se, si vous voulez. Là. Et à ce moment-là, le violon est vraiment très, très sensible à tout ça. Donc, il faut, pour les violonistes, je ne sais pas si c'est ton cas, Marc, là, je ne veux pas dire comme quoi que tu es stressé ou quoi que ce soit, mais faites-vous confiance. Le message, il est là. Faites-vous confiance. Parce que vous allez y arriver. Ce n'est qu'une question de refaire plusieurs fois. Euh, donc, quelques petits détails que j'avais marqués. L'index, ah oui, c'est ça. Notre index ici, normalement, on vient l'accoter, si vous voulez, sur notre violon. On, normalement, on fait la même chose. Le pouce et l'index vont avoir un point de contact, mais aucune tension, aucune pression pour retenir l'instrument. Ça, on l'avait déjà dit, l'instrument est complètement indépendant. Mais dans ce cas-ci, quand on va faire du vibrato, l'index, ce n'est pas qu'on le décolle, mais c'est qu'on enlève complètement la pression. Parce que notre main va bien vibrer si notre pouce et notre doigt qui va faire le vibrato vont vibrer. Mais si l'index vient s'accoter, à ce moment-là, ça fait un peu comme quand les autres doigts jouaient, qu'on avait vu tantôt. Ça vient un peu bloquer, si vous voulez, la vibration. Il faut toujours avoir deux points de contact. Donc, c'est toujours le pouce et le doigt qu'on va venir. Jouer et ensemble, ça va faire en sorte que votre doigt va pouvoir justement venir comme ça basculer par en arrière. Et n'oubliez pas, là, je vous le montre, le doigt, mais ça va être non seulement le doigt comme on a dit, mais tout l'avant-bras au complet. Donc pensez toujours à ça. Imaginez que vous avez ce petit maracas là, puis vous devriez assez facilement et assez naturellement d'ailleurs réussir à faire du vibrato. L'important, c'est juste de savoir quels sont les grands principes, et je vous les ai donnés les grands principes ici. Le doigt bascule comme une chaise berçante en étant placé comme ça vers le manche, la main vers le manche. Le point de contact, petit point de contact, le pouce et le doigt. Notre doigt va aller reculer et le mouvement vient du bras au complet. Qu'est-ce qu'on a dit aussi euh... Un mouvement spasmique et évidemment pas beaucoup de pression. Mais si vous pratiquez ça comme ça à la maison, vous devriez sans, sans problème réussir à faire un vibrato. Après, c'est de dire est-ce que je mets assez de pression sur mon doigt Et quand je dis pression, c'est toujours un point de contact. Il ne faut pas penser à, la, à de la tension. Je, je le répète parce que c'est vraiment important. Est-ce que j'en mets assez ou j'en mets trop Si j'en mets assez pour retenir le doigt, est-ce que ça fait en sorte que le doigt est empêché complètement de bouger Parce que j'en ai peut-être trop mis. Si j'en mets encore plus, est-ce que ça vient faire en sorte qu'il y ait une tension et ça, ce n'est pas bon? Et si j'en enlève, à ce moment-là, est-ce que c'est suffisant pour faire en sorte que le doigt bascule? Et si j'en enlève trop, est-ce que ça vient créer justement des, euh, des harmoniques? Puis à ce moment-là, ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on qu qu va aimer. Si vous enlevez trop de pression, vous allez voir que ce n'est pas nécessairement un son qui est beau s'il si si n'est pas bien maîtrisé. Donc l'idée, c'est vraiment ça: c'est de trouver la pression qui est juste de faire dans le fond les bons éléments techniques, puis vous allez y arriver sans aucun problème. Euh, voilà. stressé non, mais pas confiant. oui, je, je comprends très bien, surtout que, euh, surtout, marc, euh, euh, c'est vraiment... Euh, c'est quelque chose qu'on veut réussir quand on fait du, euh, quand on fait du violon. c'est peut-être souvent la chose qui vient nous attirer le plus. Quand on va entendre cet instrument-là, ça vient nous chercher en dedans le vibrato, puis je peux comprendre qu'on n'est pas confiant et on se dit oh mon Dieu, est-ce que je vais réussir à le faire? Fais-toi confiance, avec ces éléments techniques-là, ces détails que je te donne aujourd'hui, il ne devrait y avoir aucun problème. Au besoin, euh, <coughs> ça peut arriver que on comprend ce que je dis. Quand vient le temps de l'exécuter, c'est un petit peu plus difficile. Je vous le dis, c'est ouvert à tous. Euh, vous pouvez aller sur notre site mildorviolon.com Attention. Euh, ça marche-tu? Non. Ah, je vais l'avoir, je vais l'avoir, je le sens là. Ça s'en vient. Tadam. <laughs> Donc, mildorviolon.com, euh, vous allez dans le menu en haut, cours privé, et vous allez être capable... De prendre un cours en privé avec moi. Donc, des fois, c'est pas tant de, de ne pas comprendre la matière, mais c'est après ça de venir l'exécuter, la matière. Et puis, à ce moment-là, pour avoir ce retour-là d'un professeur qui va pouvoir vous regarder et s'assurer que vous le faites bien ou qui va identifier quelque chose qui est peut-être plus technique puis qui va vous aider, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Puis, à ce moment-là, vous prenez rendez-vous sur notre site. Puis, bon, on se rencontre au jour et à l'heure que vous aurez déterminé. Index, aucune pression. Oui, ça, c'est fait. C'est ça. Ah oui, une autre chose que je voulais vous dire. Quand je disais que les autres doigts, par exemple, quand vous placez un deuxième doigt, on disait que tous les autres doigts vont être dans les airs. Maintenant, faites attention de ne pas prendre vos doigts et de les amener complètement dans les airs comme ça ici. On va s'assurer, quand on enlève le doigt et qu'on va, va, va le mettre dans les airs, de le mettre juste au-dessus de la corde. Et en gardant les doigts le plus possible juste au-dessus de la corde, comme là, vous ne voyez presque pas, vous avez comme l'impression que mes doigts sont, sont sur la corde, mais ce n'est pas le cas. Ils sont vraiment juste au-dessus de la corde et ça va faire en sorte que le mouvement qu'il va y avoir pour replacer notre doigt va être très court. Et justement, on va être tellement proche de l'emplacement où est-ce qu'on va vouloir jouer les autres notes que ça va être très, très, très facile. Euh, euh, de garder notre justesse, justement, parce que nos doigts sont si proches, c'est facile. Alors que si vous mettez tous les doigts dans les airs trop loin, à ce moment-là, vous avez un mouvement plus long, donc pour, pour la rapidité, ça ne vous aidera pas. Et puis en plus de ça, ben, la justesse, ben justement, comme on est plus loin, ben, il y a plus de risques de, de ne pas tomber exactement au bon endroit. Donc, on enlève, oui, les autres doigts, mais on reste le plus proche possible de notre corde. Après ça, qu'est-ce que je disais? Euh... Oui, euh, OK. Donc, je vais vous montrer un peu euh, le vibrato. Qu'est-ce que ça donne comme résultat en tant que tel? Observez par exemple l'avant-bras au complet. Regardez le poignet, vous allez voir, il ne devrait pas le poignet bouger comme ça ici. Normalement, ça devrait être tout le bras au complet, mais le pas aussi large que ça, mais tout le bras qui va bouger comme ça ici. Remarquez-les bien. Euh, donc je vais vous en faire un, un peu du vibrato, seulement des notes longues, et puis à ce moment-là, prenez le temps d'observer le plus possible. Que ça, que ça vient vraiment tout changer le vibrato. En fait, je vais vous le montrer maintenant, la même chose, mais sans le vibrato. Et soudainement, bien, vous allez voir, ça sonne vraiment pas pareil. Donc, ça vient rajouter, vous voyez, une couche euh, de, de. une beauté. Ça vient rajouter. Euh, euh, de l'âme vraiment à notre instrument. Je ne sais pas si vous avez pris la peine de bien remarquer les différents éléments techniques, la main qui est tournée, le, notre mouvement spasmique avec notre avant-bras au complet. Donc voilà pour ça, ce sont les grands éléments. Des, euh, quelques petits détails maintenant. Euh, quand vous faites une corde à vide, comme il n'y a aucun doigt, à ce moment-là, on ne peut pas vibrer. En fait, c'est faux. On peut vibrer et souvent ce qu'on fait, c'est qu'on le. on le fake. <laughs> Dans le fond, on, on triche un peu. On va venir placer un troisième doigt sur la corde demi et on va vibrer cette note-là. Si vous, vous vous rappelez que troisième doigt sur la corde demi, ça donne un La. Donc si je fais un La, je vais vouloir faire troisième doigt sur la corde demi. Je vais vouloir vibrer la même note sur une autre corde. Et vous allez voir, ça ne donne pas exactement le même résultat, mais ça fait quand même vibrer. Donc ça, c'est une façon de tricher. Ce n'est pas quand même l'idéal. Idéalement, on essaie d'avoir soit un quatrième doigt, exemple, quatrième doigt sur la corde de ré. Donc vous entendez. Ou, par exemple, encore mieux, de changer de position. Donc ça, encore une fois, c'est une des raisons pour laquelle je monte le vibrato un peu plus tard. Quand on monte en position, on va venir, par exemple, faire un deuxième doigt qui va à la place du quatrième doigt mais ça va être plus facile à vibrer. Parce que de base, un deuxième ou un troisième doigt, ce sont les doigts qui sont les plus faciles à vibrer. Donc, ce qu'on voit, c'est que le fait de vouloir faire un beau vibrato va venir influencer quel doigt on va utiliser. Donc, quand vous vous demandez pourquoi ils ont fait le choix d'aller dans telle position dans une pièce, ou pourquoi c'est marqué un 2 au-dessus de cette note-là, ça devrait être une corde à vide. Ou pourquoi c'est marqué quatrième doigt Il me semble que c'est plus difficile. Ça peut être une des raisons qui va faire en sorte qu'on va choisir un doigté plutôt qu'un autre, parce que le vibrato va se faire mieux. Et c'est souvent au-dessus des notes qui sont plus longues, exemple à partir d'une blanche, blanche, blanche pointée, ronde, etc. Là, souvent, c'est très important que notre vibrato sonne bien. Donc, on va souvent favoriser ce, euh, la sonorité du vibrato en mettant un doigté justement plus approprié de ce côté-là. <coughs> Après ça, qu'est-ce qu'on... Euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça. Là, c'est tout le, le principe. Moi, j'appelle ça, attention. J'appelle ça faire de la floraison. Je, faire du vibrato, c'est toujours intéressant lorsqu'il y a, en quelque part, une progression. Ce n'est pas une note qui va vibrer également du début à la fin. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos accélérées d'une... Attendez, je vais juste prendre deux secondes pour voir euh, s'il y a d'autres personnes qui, qui nous écrivent. Il y a... Québécois. Il n'y a qu'un Québécois pour faire ça. Pour faire quoi? <laughs> salut, salut. Ça va bien? Un Québécois pour faire pour faire ça? Ben bonjour. Euh, alors, <laughs> je suis content de savoir que je, 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 le fait d'être Québécois me permet de faire quelque chose de particulier. Qu'est-ce que c'est, VV? Euh, donc voilà pour ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oh, oui, la floraison. Que, ce que je vous dis, c'est justement. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos, justement, où -ce que vous, avez, vous voyez une fleur qui, qui se développe en accéléré. Vous voyez, tu sais, ils ont pris une photo à chaque jour, etc. Donc, vous voyez le, le vibrato qui commence, c'est tout petit. Vous voyez en fait la fleur qui se développe comme ça, c'est tout petit. Et puis, finalement, après un bout de temps, vous voyez Oups! là, ça, ça justement, il y a cette floraison-là qui fait en sorte que ça prend son, son envol. C'est un peu le principe que j'essaie... De, de, de faire au vibrato, de me démontrer à mes élèves. Cette floraison-là que je vais vous expliquer va faire en sorte que votre vibrato va avoir une certaine vie, va avoir un, un début, un milieu, une fin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, notre vibrato, comme on le dit, il doit avoir un, un début, un milieu, une fin. Donc, on va commencer piano, donc on ne jouera pas si fort que ça. Assez rapidement, donc dans, dans le premier tiers de la note, on va aller plus, un peu plus fort, donc on va augmenter notre volume. Donc que ce soit piano au départ, peu importe, faut qu il faut qu'il y ait une progression. Si ça commence au piano, bien, on fait une progression. Donc une toute petite progression, juste pour sentir que justement au niveau du volume, ça fait et après ça, un décrescendo vers la fin. Première chose. Ensuite, notre archet va commencer lentement. Je donne un exemple ici. Mettons que je veux faire de la note. Je ne vibre pas encore. Donc, on va vouloir faire en sorte qu'il y ait une progression. On l'a vu, piano à forte à piano. <tous> Voyez-vous qu'il y a une certaine vie dans la note. Un début, rapidement on est allé plus fort, puis après ça on a, on a fait un décrescendo. Maintenant, euh, on a dit aussi commencer lentement avec l'archet. Lentement. <tous> je vous refais ça. Lentement, on accélère et après ça on décélère. Donc vous voyez un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de de l'archet. Ensuite, l'amplitude de notre vibrato. On va commencer petit, donc ça va être un petit mouvement. Après ça on va l'accélérer et après ça on va, on va euh, dans le fond. Quand je parle d'amplitude, je parle de longueur de déplacement parce que dans le vibrato il y a deux choses. Il y a l'amplitude donc à quel point on se déplace dans l'espace au niveau de la distance. Et il y a la fréquence. La fréquence, ça va être, est-ce que nos, notre vibration va être rapprochée? Donc, je vous le montre. Il y a, et dans les deux cas, on va faire une progression. Au niveau de l'amplitude, ça c'est une petite amplitude, ça c'est une grosse amplitude. Donc, on parle de distance. Et la fréquence. La fréquence, ça va être justement, euh, exemple. Je vais le faire tout dans le même. Dans, dans, dans le, je ne vais pas changer la euh, euh, l'amplitude ici. Je vais, je vais rester toujours dans le même dans la même dans le même son, si vous voulez. Mais je vais changer la fréquence, par exemple. Vous voyez la fréquence, c'est combien on fait de vibrations. Donc, l'idée, c'est qu'on va vouloir faire en sorte que autant dans l'amplitude que dans la fréquence, il y a une progression comme ça. Ça commence encore une fois assez rapidement, ça va progresser petit et aussi petit dans, en termes de distance. Après ça, on va accélérer. Et après ça, on décélère. Voyez-vous voyez un peu comme ça. Donc, ça va faire en sorte que justement, notre note va avoir cette progression-là. Et finalement... Euh c'est ça. On va, on essaie de faire en sorte d'aller rapidement vers le cœur de la note. Si on fait trop de préparation à la note, exemple, je me prépare, 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 puis après ça, j'arrive au cœur de la note. À ce moment-là, c'est trop long comme progression. On essaie d'aller quand même assez vite. Donc, quand je, je vous parlais du premier tiers de l'archet, exemple, on essaie d'aller assez rapidement. Donc, ça va donner ça comme ça. Donc, vous voyez, ça donne quand même quelque chose qui est assez audible. Euh, donc, ça vous permet de travailler ça à la maison. Maintenant, je vous donne le résultat avec un violon. Donc, regardez bien l'amplitude, donc la distance, la fréquence, donc le nombre de battements. Regardez notre archet, comment est-ce qu'il va être lent au début, plus, plus rapide, puis après ça, il va se ralentir encore une fois. Écoutez aussi le volume. Donc, piano après vers quelque chose d'un peu plus forté et après ça revenir au piano et vous allez voir le principe en mettant tous ces éléments là ensemble ce que j'appelle le principe de la floraison au vibrato Je refais une autre fois Donc ça fait en sorte que justement il y a une vie pour chacune des notes donc si je joue euh, une petite parti de pièce, avez-vous entendu quand je suis arrivé à cette note-là? Donc on commence doucement puis on, on, on ralentit par la suite. Donc le fait de faire justement cette floraison-là, cette progression-là... Dans notre vibrato, va faire en sorte qu'on va aller chercher cette vie-là. Ça se fait quand même assez naturellement parce que veux veut pas, quand on commence avec une note qui ne bouge pas encore, ben veu veux pas, on va graduellement aller vers du vibrato, mais pensez toujours à cette image-là. Je pense que ça devrait vous aider à aller chercher la note que vous voulez avoir avec votre vibrato. On arrive en fin de webinaire. Donc, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. C'est le moment de me poser vos questions. Je suis là pour vous. Donc, peu importe la question, que ce soit reliée au vibrato ou toute autre question, je suis là pour vous aider. Donc, voilà, je vais prendre le temps de regarder si je vois des choses qui apparaissent au niveau sur Internet. J'ai. Voilà, comme ça. Euh, dernière chose que je voulais vous dire, c'était les exercices. Je vous conseille justement de travailler à part de votre, votre technique, votre développement au violon, jusqu'à temps que justement votre, votre main gauche soit solide. Vous ayez une belle main active, des doigts qui sont certains d'être toujours au bon endroit. Donc ça, c'est une première chose. Quand vous faites votre exercice à part, euh, travaillez pour commencer des notes longues. Essayez de faire au moins un bon 1, 2, 3, 4 temps complets sur la même note en tant que telle. Et puis à partir de ce moment-là, ça devrait vraiment vous aider, euh, en ralentissant, euh, à avoir le résultat. Parce que le problème, c'est que souvent, les élèves vont commencer à faire leur vibrato. Ils vont faire un 1 un note, une note, puis à ce moment-là, tu n'as pas le temps nécessairement de, de travailler à écouter qu ce que ça donne comme résultat, s'ajuster pour faire en sorte que justement on puisse le retravailler le, euh, pour aller chercher justement cette, euh, ce son caractéristique qu'on qu souhaite rechercher. Donc, faites des notes longues, écoutez, travaillez pour que votre archet soit vraiment juste là pour dire que vous faites un mouvement. Puis à ce moment-là, vous essayez avec différents doigts, le deuxième doigt, le troisième doigt. Le quatrième et le premier, travaillez plus vers la fin parce que votre but, ça va être premièrement de trouver ce vibrato-là, de bien le ressentir. Et ça, vous allez plus le ressentir avec le troisième ou avec le deuxième doigt. À partir du moment où vous êtes bon avec ces deux doigts-là, là, commencez à essayer de rajouter quatrième doigt et premier doigt, je vous dirais. Euh, attention ici. Je me sens rassuré. Ben, écoute, Marc, je suis très content que tu te sentes rassuré. Je suis content pour tout le monde aussi. Euh, je sais que c'est vraiment un sujet qui est euh, à la fois passionnant. Je pense que tout le monde veut euh, apprendre à faire du vibrato. Euh, puis, on a tous ce moment-là. Moi, je me rappelle aussi personnellement, euh, c est, c est pas, euh, ce n'est pas que toi, Marc. Euh, je me rappelle, moi, personnellement, quand j'ai commencé à faire du violon, j'étais pendant très, très, très longtemps, j'ai eu différents professeurs, puis j'ai été pendant très longtemps à ne pas faire de vibrato. Et je te dirais, après un euh, six ou sept ans, où est-ce que j'ai fait du, du vibrato, je trouve que c'est tard un peu pour enseigner à quelqu'un du vibrato, mais moi, dans mon cas, c'est ce qu'on a fait. Donc, euh, je ne savais pas comment faire du vibrato assez tard dans ma formation. <laughs> Et. Euh, et je, je, je me souviens que moi, ça me, j'étais très, euh, j'étais très nerveux par rapport à ça. Euh, je voulais bien le réussir. Euh, donc, la semaine que je l'ai appris, le vibrato, j'ai fait des heures et des heures et des heures et des heures. Je l'ai appris quand même assez rapidement. Mais euh, je dois te dire que oui, euh, j'ai vécu ce moment-là où est-ce que. Euh, J'espérais que ça donne exactement ce que je voulais parce que ça faisait des années que, que, que je jouais du violon. Donc, je peux, je peux vraiment euh, être empathique à qu ce que tu me dis. Euh, voilà, après que vous avez fait des notes longues, quand vous voyez que ça commence, on avait dit rajouter premier doigt, quatrième doigt, euh, faites aussi euh, à ce moment-là deux notes liées. Donc, deux notes sur le même coup d'archet. Puis à ce moment-là, on joue une note et on essaie d'enchaîner rapidement vers l'autre note pour que le vibrato soit continu, même si on change de note. Ça, c'est une autre difficulté. Donc, à partir du moment où on a fait nos notes longues, ça peut être un deuxième bon exercice. Euh, et puis, après ça, bien, vous essayez de faire des notes plus rapprochées, plus courtes. Mais ça, c'est vraiment vers la fin. Pour réussir à faire du vibrato, même sur des notes courtes, euh, il faut être vraiment en confiance au niveau de, de notre technique. Donc, allez-y progressivement. Moi, j'appelle ça, euh, mes élèves vont, vont me reconnaître de ce côté-là, j'appelle ça la technique de l'escalier. On commence par des exercices qui sont faciles, on bâtit notre confiance justement, puis à partir de, de, du moment où est-ce qu'on se sent bien, whoop, on passe à l'autre étape. Puis quand, quand cette étape-là est bonne, whoop, on passe à l'autre étape. Donc, en y allant comme ça graduellement, on sent toujours en confiance de qu ce qu'on fait, puis on s'assure justement d'avoir. Euh, de, de, de bâtir sur du solide tout le temps. Donc, allez-y avec des exercices qui sont vraiment très progressifs. Donc, voilà pour ça. Je pense que ça fait le tour. Autre question quant aux inscrits au cours y a-t-il des capsules, un cours sur non pas le maintien de l'archet, mais sa manipulation sur les cordes Oui, il y a, euh, il y a une capsule. Qui n'est pas seulement pour le, le, la tenue de l'archet, effectivement, mais euh, comment jouer sur les cordes. Il y a une capsule qui est dédiée à ça euh, sur le cours violoniste débutant. Et d'ailleurs, merci Marc de, de me permettre de faire cette petite parenthèse-là puis vous parler du cours violoniste débutant. On est l'été, c'est le fun, on est en vacances. C'est le bon moment de commencer à vivre notre passion à 100%. Donc, je vous dirais. Euh, le cours violoniste débutant, qui est le cours qu'on a créé ici chez Mildor Violon, ce cours-là, dans le fond, va vous permettre à partir de zéro d'arriver à jouer jusqu'à des grands classiques comme du bac. Donc, on va faire des menuets de bac, on va faire des allegretto d'Andel, on va faire euh, berceuse de Brahms. Il y a plein de pièces que vous allez apprendre comme ça. Et mon but que j'ai fait dans le cours violoniste débutant, c'est justement s'assurer d'avoir la technique de l'escalier. Vous bâtissez toujours sur du solide et vous vous assurez qu'à tout moment, vous comprenez ce que vous faites. Et à ce moment-là, vous pouvez apprendre par vous-même. C'est un cours où vous vous abonnez sur Internet. Et puis à ce moment-là, par vous-même, euh, si ça vous tente de, de, de voir 10 capsules par jour, c’est ouvert. Il euh, n’y a absolument aucune limitation. Si vous voulez euh, aller plus mollo, vous allez à votre rythme et peu importe où est-ce que vous êtes sur la planète, vous aurez toujours des cours de violon de qualité. Donc, euh, donc voilà pour ça, mais oui pour répondre à ta question Marc, il y a effectivement une capsule sur ça et après à chaque fois qu’on va, Retravailler notre archet et bien sûr, euh, je vais en reparler dans d'autres capsules pour venir ajouter des détails, pour venir euh, essayer de faire en sorte que différentes techniques, comme par exemple changer de corde, à ce moment-là, ça devienne plus naturel. Donc, toute cette mécanisation-là pour faire la bonne technique avec l'archet, effectivement, on en parle bien. Euh, si vous avez des questions ou des choix de sujets, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a parlé de, du vibrato. Mais euh, ça pourrait être ouvert. S'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous écrire au info à commercialmildorviolon.com. Euh, donc, et puis ça va nous faire plaisir là, de, de, de faire des webinaires en, en conséquence. Mais évidemment, dans un webinaire, ben, on improvise un peu, entre moi. J'improvise un peu. J'essaie d'aller euh, d'avoir une structure, mais quand même... C'est jamais aussi bien fait que dans une capsule qui a déjà été pensée, scénarisée, écrite d'avance avec des exemples clairs, la caméra exactement au bon endroit. Donc, allez voir le cours violoniste débutant et dites-vous que pour un temps limité, donc jusqu'en septembre, vous avez euh, la possibilité d'essayer pendant un mois de temps gratuitement. Donc, il n'y a absolument aucun, euh, aucun danger. Vous vous inscrivez, vous voyez si vous aimez ça. Puis, si vous aimez ça, vous poursuivez par la suite. Mais vous avez un mois gratuit. Donc, euh, c'est le temps. Sortez vos violons, allez accorder euh, votre instrument, puis venez nous voir. Puis, même si vous ne savez pas comment accorder votre instrument, dites-vous, on vous le montre en détail. <laughs> Donc, voilà pour ça. Euh... Pour moi qui apprends seul, tu es devenu du pain béni pour moi. <laughs> Merci beaucoup Marc. En fait Marc, je ne sais pas si tu es inscrit au cours violoniste débutant. Je vous, euh, je, je te le recommande fortement. Écoute, j'ai passé trois ans de temps à penser à quelle serait la meilleure façon d'enseigner telle technique. Quel angle de caméra j'aimerais avoir. Est-ce que je devrais avoir, exemple, un tableau avec les, les différentes figures de notes, etc. Donc tous, euh, à chaque fois que vous arrivez à une étape particulière. Il y a non seulement mon explication, mais vous avez aussi tout ce support-là visuel pour vous aider à apprendre. Donc, je vous, écoute, je, je te le recommande. J'aimerais bien, euh, bien euh, avoir aussi ton feedback, euh, Marc, sur, sur les cours. Euh, donc euh, voilà, c'est ouvert. C'est violoniste débutant. Vous allez tout simplement sur mildorviolon.com. Je regarde. Il y a beaucoup de gens qui écrivent. Je me sens rassurant. plus. Autre. Je m'inscris la semaine prochaine quand je serai en vacances et donc euh, je t'aurai plus de temps. Oui, pour moi, qui... Hein, merci. Je serai dans une semaine quand en vacances. Parfait. Ben écoute, euh, fantastique, Marc. Je suis très content de te de, de rejoindre. Puis dites-vous une chose. Apprendre par soi-même, c'est une chose. Euh, et on a fait en sorte que ça, ça soit le plus facile possible. Honnêtement, peut-être trop facile parce qu'on voulait vendre le, le cours. Privé aussi, en se disant, bien, une fois de temps en temps, mettons une fois par mois, les gens vont venir nous voir euh, pour prendre un cours en privé. La problématique, c'est que le cours violoniste débutant est peut-être un peu trop précis. Euh, ça, ça, ça se vend. Le cours privé, ça ne se vend presque pas, en fait. Mais dites-vous une chose, on est toujours là pour vous. Euh, donc, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin qu'on en discute, si vous avez besoin d'un œil extérieur pour vous aider, je vais toujours être là. Prenez simplement un rendez-vous, ça va me faire plaisir. Euh, je me suis. je suis inscrit depuis trois mois et j'adore Luc. Ah, bonjour Luc! Oui, oui, Luc que, qui est là semaine après semaine après semaine. Je suis très content euh, que, que tu prennes la peine de dire ça directement dans, dans le feed euh, sur mildorviolon.com. Euh, j'apprécie, j'apprécie euh, votre support, j'apprécie le fait que vous soyez là semaine après semaine avec moi. Donc euh, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, ça serait tout pour aujourd'hui. Merci encore d'être là, merci d'être présent. Euh, merci de faire en sorte que les dimanches pour moi, c'est toujours quelque chose qui est à la fois stressant un tout petit peu, mais en même temps qui me donne tellement le goût de, de me lever le matin. Donc, merci beaucoup. Sur ce, je m'en vais fêter ma petite fille Alice, qui va avoir deux ans aujourd'hui. Euh, donc s'il n'y a pas une dernière question, je vais vous laisser sur ce. Euh, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine, dimanche 10h, à moins d'une autre instruction de voix pour un autre webinaire en direct. Merci, c'est toujours un plaisir de te retrouver le dimanche après-midi. Euh, merci bien, euh, Marc. Donc euh, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et puis on se revoit dimanche prochain. Merci beaucoup tout le monde. Passez une bonne semaine. Bye. Tutoriel vidéo, partition, accompagnement. Apprenez le violon en ligne dès maintenant sur mildorviolon.com.